Bonjour et bienvenue sur le canal YouTube de Retraite en Espagne. Je suis Alexée, agent immobilier de Retraite en Espagne et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter les plats typiques que l'on consomme à Noël en Espagne. Bien entendu, lorsque l'on vous dit Noël en Espagne, vous pensez aussitôt à los turrones et à los mantecados, los polvorones, mais il y a bien d'autres plats typiques de Noël en Espagne. Et c'est ce que je compte vous faire découvrir au travers de cette vidéo. Le bacalao con coliflor, soit cabillo avec chou-fleur, est composé de ces deux derniers, mais également d'oignons et de pommes de terre. Il s'agit d'un plat typique du nord de l'Espagne et plus précisément de la Galice. Également, il s'agit du plat le plus simple et le plus économique à réaliser de cette sélection spéciale gastronomie de Noël. Dans ma région, c'est-à-dire la région de Murcia, on mange pour Noël quelque chose d'assez consistant, roboratif. El cocido con pava y pelotas. Ce grand classique de la cuisine murciana, soit de la région de Murcia, est traditionnellement consommé à Noël. Il s'agit d'un ragoût avec des boulettes de dinde, de porc, de légumes, accompagné de lard, de pois chiches, de pommes de terre. Oui, je souris un peu parce que en fait, c'est un plat qui vraiment charge. Et le souci, c'est que c'est tellement bon qu'on s'en sert une fois et puis ben, on a tendance à s'en resservir une deuxième fois. Et là, on commence un peu à regretter parce que c'est un peu dur à digérer. Mais c'est tellement bon qu'il serait dommage de s'en priver. Les repas de Noël ont tendance à être un peu chargés. Cependant, il existe un plat qui est un véritable pied de nez à cette idée reçue. Ce plat s'appelle merluza a la cosquera, soit le merlu à la basque. Il s'agit d'un plat à base de merlu, de palourdes, d'œufs, d'asperges et d'ail. Comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un plat typique du Pays Basque. Cependant, vous le retrouverez sur toutes les tablées en Espagne, également dans les plus grands restaurants. Los calamares rellenos, soit les calamars farcis, est un plat typique de Noël en Espagne. C'est un mets qui réunit les délices de la mer et de la terre. Alors, en Espagne, nous avons également un plat typique de Noël et je conseille aux âmes sensibles de s'abstenir de regarder ce qui va venir ensuite, car il s'agit du cochonillo, soit le cochon de lait. Bien que ce plat se consomme au travers de toute l'Espagne, c'est une recette typique de Navarre, de Castilla-León et d'Aragon. Alors, bien entendu, je suis la première quelque peu perturbée lorsque je vois ce plat. D'accord, ça c'est... ça ne me donne pas envie. Et c'est peut-être votre cas vous aussi, donc je compte sur votre intelligence pour respecter cette vidéo, l'objet de cette vidéo qui est en fait de présenter les plats typiques que l'on consomme à Noël en Espagne. Également en Espagne, on consomme la dinde farcie. Alors, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose à proprement parler de traditionnel et de typique, puisqu'il s'agit d'une importation anglo-saxonne. Cependant, ce plat a sa place dans cette vidéo, puisqu'il s'agit d'un plat qui est largement consommé en Espagne. Vous êtes en train de visionner cette vidéo peut-être parce que vous êtes un gourmand et un gourmet, mais peut-être aussi parce que vous vous intéressez de façon plus approfondie à la culture espagnole. C'est-à-dire que vous vous y intéressez au point de peut-être désirer vous installer en Espagne. C'est pour cela que si vous désirez acheter dans les régions d'Alicante, Murcia ou Almeria, je vous invite à nous envoyer un mail et à nous présenter votre projet.
Car même s'il s'agit d'une vidéo à portée divertissante et culturelle, je suis avant tout agent immobilier. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à notre canal YouTube et à même l'explorer parce que vous y rencontrerez de nombreuses informations concernant l'expatriation en Espagne, comment acheter une maison en Espagne, mais également d'autres contenus de ce type plus divertissants qui touchent à la culture espagnole. Bien entendu, je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe Facebook. Vous y rencontrerez une communauté francophone assez sympathique qui sera ravie de vous aider et de répondre à vos questions. Qui sait, peut-être que même au travers de ce groupe, vous pourrez y faire de belles rencontres. Tous les liens utiles sont dans la description. L'Espagne est le premier producteur mondial de nougat, que l'on appelle ici El Turrón. D'ailleurs, El Turrón de Girona est le plus célèbre d'Espagne. Celui-ci est exporté en Amérique latine, mais également en Extrême-Orient, voire même jusqu'au Japon. Et oui, il s'agit d'un dessert espagnol fortement apprécié de tous. Et ça se comprend. Alors, il y a bien entendu deux autres grands classiques de la table de Noël en Espagne. Il s'agit de los polvorones et des mantecados. Et il ne faut pas les confondre tous les deux parce que ce n'est pas la même chose. Petite explication. À proprement parler, un polvorón serait une sorte de mantecado. Or, sa consommation est devenue si importante qu'il s'est finalement fait une place parmi les mantecados en ayant sa propre identité. Les mantecados peuvent contenir ou non des amandes dans leur composition, qu'elles soient sous forme de farine, concassées, en morceaux ou bien entières. Cependant, les polvorones contiennent toujours des amandes dans leur composition. Dans le cas du mantecado, les farines de blé et d'amandes, si elles sont toutes les deux présentes, ne sont pas grillées. Le sucre utilisé pour sa fabrication est granulé. Et en règle générale, des œufs ou des blancs d'œufs sont également utilisés dans la confection des mantecados. En revanche, dans les polvorones, les farines de blé et d'amandes doivent toujours être grillées avant d'être utilisées. Pour des informations supplémentaires, je vous invite à vous rendre dans notre description où vous rencontrerez le lien de notre article. Il y a aussi un autre gâteau que j'aime bien qui s'appelle cortadillo de sidra. C'est ça. El cortadillo de sidra est une pâtisserie typiquement andalouse. Traditionnellement, il était fabriqué dans les couvents de Séville, mais on le retrouve aussi à Cadiz. Ce gâteau est fourré aux cheveux d'ange, soit cabello de ángel, qui n'est rien d'autre qu'une préparation à base de courge. 34 grammes de sucres. Oh, mais c'est merveilleux! Bien entendu, il s'agit d'une courte sélection de ce que vous pouvez manger à Noël en Espagne. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura permis de vous sentir quelque peu en Espagne. Pour reproduire ces recettes, c'est tout simple, il vous suffit d'aller dans le lien dans notre description où vous rencontrerez notre article. Vous retrouverez donc tous ces plats typiques avec en prime les recettes. De quoi passer à Noël en Espagne tout en restant chez soi. Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et de profiter de tout ce que la vie a de beau à vous apporter.